quatrième jour du Vlogtober, on est vendredi. C'est une grosse journée de travail pour moi, donc je ne sais pas si je serai très présente aujourd'hui. Mais je vais essayer de faire des petites pauses et de vous montrer quelques petits moments créatifs de ma journée. Je vais peut-être vous montrer juste comment j'ai avancé hier, parce que je vous ai laissé assez rapidement, parce que finalement j'ai pas eu le temps de revenir vous voir après la danse. Et donc du coup j'ai coupé et j'ai rien mis, parce qu'après il faut que je réimporte la vidéo sur mon ordinateur, enfin bref. Donc voilà, donc je suis désolée de vous avoir quitté comme ça, mais en fait je suis allée à la danse et ça s'est super bien passé pour ça celles et ceux qui n'auraient pas vu l'épisode d'hier. En fait c'est la première fois que j'allais à la danse, c'était mon premier cours de danse contemporaine et ça s'est super bien passé, je suis trop contente. C'était dur, enfin au niveau de la mémoire, alors je sais pas... Si vous en avez refait, que vous en faisiez quand vous étiez enfant, vous avez jamais arrêté. Mais moi, j'en faisais quand j'étais enfant et là, je me suis remis dans le bain, mais c'était dur de se rappeler des pas. En plus, du coup, il y avait une choré notamment qu'ils avaient déjà appris avant et du coup, j'essayais de suivre, mais oh mon Dieu, mon cerveau, il était très lent. Oh là là, mais franchement, c'était trop bien. Les gens, en plus, étaient super sympas et super accueillants, donc je suis trop contente. Voilà, ça m'a vraiment fait du bien hier. Je suis rentrée un peu fatiguée et du coup, j'ai monté la vidéo, mais j'ai pas eu le temps de tout faire, une petite vidéo. Mais comme je suis arrivée super en avance à la danse et que je devais attendre, et ben j'ai repris mon tricot et puis j'ai avancé un tout petit peu mon petit poupou scrunchy. Que je tricote du coup en duo avec Mélanie. Coucou Mel, je sais que tu me regardes. Et vous pouvez voir d'ailleurs le sien sur son podcast, sur son Vlogtober du moment. Et voilà, j'ai fait ça en attendant. Et puis après, il y a des participantes au cours qui sont arrivées. Alors, je me suis sociabilisée très vite, alors j'ai lâché mon tricot. Donc voilà, et je suis contente parce que ça avance tranquillement. Ça va être un petit tricot assez rapide à faire, je pense, tranquille ou quoi. Et en rentrant dedans, j'ai quand même un peu tricoté un tout petit peu hier pour faire quelques rangs là, voilà, des manches. Je mets vraiment un petit peu, elles n'ont pas beaucoup avancé. D'ailleurs, je vais me faire un marqueur pour me souvenir de là où j'en suis, comme ça on voit ma petite avancée. Voilà pour mon bilan tricot d'hier. Aujourd'hui, au niveau du tricot, je vais me limiter sur ces deux-là, sachant que je voulais vous montrer quand même. J'ai toujours mon poncho Bergère de France que j'aimerais bien finir, parce que je pense que ça va être un petit poncho très sympa pour l'automne-hiver. Et du coup, j'aimerais bien quand même l'avancer un peu. J'en avais déjà parlé dans mes podcasts. En fait, je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'avancer. Pourtant, regardez, c'est vraiment très très joli comme point. Après, c'est juste qu'il faut être un peu concentré peut-être et ça me démotive. Et sinon, ça fait un moment, donc je sais même plus trop où j'en suis. Mais je vais m'y remettre. Donc aujourd'hui, peut-être, tiens, je vais essayer de faire un peu de celui-là. Là, ça me fait 3 en cours. C'est pas mal pour moi parce que j'aime pas trop moi cumuler les en cours. J'aime bien me concentrer sur un en cours et tricoter, terminer. Je sais carré dans mes tricots moi. Parce que sinon, bah voilà, ça fait comme ce poncho et ça fait des mois que je le traîne et j'aime pas ça. Je déteste laisser des tricots dans un coin. C'est comme des pastèques. Vous avez la référence ou pas? Dites-moi en commentaire. Voilà, donc sinon je me mets un petit objectif aujourd'hui quand même parce que j'aimerais bien terminer de trier ma toison marron d'hier, il m'en reste vraiment un fond, donc j'aimerais bien faire ça et commencer, en fait j'ai la toison blanche que vous avez vue hier qui était en train de sécher et sèche, donc j'aimerais bien la carder. Donc là c'est 2 gros objectifs parce que ça me prend du temps quand même. Mais j'aimerais bien faire ça d'ici la fin de la semaine en tout cas. Peut-être pas, je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui, mais d'ici la fin de la semaine, ça serait bien. Voilà. Et surtout qu'il fait beau, donc je profite de ces jours de beau temps. Surtout
je sais pas combien de temps ça va durer. D'ailleurs, c'est déprimant. C'est clair que ça fait du bien hein, de voir ce soleil, surtout dans nos régions, dans le nord, là. C'est hyper agréable, mais c'est déprimant de voir que le temps est complètement déréglé. Et à ce point-là, je suis encore en robe. On est début octobre. Enfin, moi, quand je regarde la nature, là, en ce moment, ça me déprime. Je vois des bourgeons sur les arbres. Des bourgeons. En fait, là, la nature, elle croit qu'on est au printemps. C'est pareil pour les animaux. Je vois les animaux, j'en parlais à un veto, en fait, ils arrivent pas à se mettre, à créer leur poil d'hiver. C'était pareil d'ailleurs au printemps, en fait. Ils ont perdu tout leur poil, il a refait froid, ils ont eu froid. Enfin, et en fait, ils arrivent pas à refaire leur poil. Je pensais notamment à l'ânesse que je vous montre souvent. Voilà quoi, elle arrive pas, il y a plein de mouches sur elle et le veto disait que c'était mais partout là en ce moment parce que ça répond alors qu'ils sont pas censés pondre, il y a l'hiver qui va arriver, enfin voilà, c'est un peu déprimant, enfin c'est complètement déprimant, mais c'est un sujet qui m'impacte beaucoup et il y a rien qui se fait, rien qui bouge là encore. Il y a des gens qui font de la grève de la faim en ce moment pour bloquer un projet d'autoroute. Tout le monde s'en fiche. Enfin, tout le monde s'en fiche. En tout cas, le gouvernement s'en fiche complètement. Bref, on va pas politiser ce podcast parce que sinon, ça va déprimer tout le monde et moi. Donc, voilà. On essaie de... Non, ce podcast est positif. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui me touche beaucoup au quotidien, qui m'impacte beaucoup moralement. Et mes créations me permettent aussi de voir le positif et d'avoir des activités sur lesquelles se concentrer sans forcément voir tout le négatif qui peut arriver en ce moment et qui voilà. Bref, mais parlons d'autre chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc comme il fait beau, je vais en profiter pour avancer dans mes toisons. Voilà. Écoutez, là c'est à peu près tout. Je vais me bouger parce que j'ai pas mal de boulot. Et puis j'essaierai de revenir vous voir de temps en temps aujourd'hui. J'avais peut-être aussi des petites choses à faire au niveau des... Enfin, il faut que je m'occupe de mes plantes séchées aussi. Donc peut-être que je vais voir si j'ai le temps de faire ça aujourd'hui. Je vous montrerai ça si c'est le cas. Voilà, bonne journée. Mais alors, Rebelle, pourquoi t'es là? Toujours à rester près d'ici, toi. Hein, ma belle, tu fais ta sieste? C'est ma pause de midi et je viens chercher mon dessert. Non, pas celle-là. Ouf, celle-ci peut-être. Ou peut-être elle. Oh, elle me paraît pas mal. Elles sont enfin mûres. Attendez, je vais l'ouvrir. Regardez-moi cette beauté. J'adore les figues, mais je suis tellement heureuse d'avoir un figuier. Chez moi dans le sud, ou plutôt chez mes parents, il y en a, mais en août, les figues. Et là, ici, du coup, dans le nord, on les a beaucoup plus longtemps, là, du coup, début octobre. Oui, regardez, j'en ai pas mal, hein, je suis contente. C'est la première année où il y en a vraiment des belles, des grosses comme ça, regardez. C'est trop belle. Trop belle. Regarde qui y a là. Qu'est-ce que tu fais? On t'a vu, hein? On t'a vu. Coucou. Et puis là, il y a des coquines qui viennent manger les restes de figues. Mais non, c'est à moi les figues. Je partage pas. T'en veux pas, toi, tes figues? T'en fiches? Non, je veux des croquettes, moi.
La petite récolte du jour. On va avoir de quoi se régaler. J'en ai déjà mangé trois. Celle-là, elle est un peu ouverte. Donc, je pense que c'est le moment de la manger. Vous pensez pas? Vous aimez les figues, dites-moi. Peut-être que je vais faire un petit truc à base de figues. Un petit dessert, ce serait pas mal. Moi, je les aime tellement que moi, je les mange crues comme ça. Mais pourquoi pas? Parce qu'il y en a vraiment pas mal, là. Donc, peut-être que ça va partir en pâtisserie de figues. Mais celle-là? Non, je la mange celle-là. J'aimerais pouvoir vous transmettre le toucher de cette toison magnifique. Alors là, c'est pas de l'ouest sang, hein. C'est sûr, c'est une brebis, mais laquelle, je ne sais pas. Mais elle est, mais c'est une douceur exceptionnelle en fait. Bon, c'est peut-être pas de l'alpaga, hein, mais au niveau de la douceur, mais c'est très 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 doux. Et puis on voit là. Le molleton là, le moelleux. J'adore. Franchement, c'est très très agréable de travailler une toison comme ça. Je sais pas si ça focus, on dirait que ça ne focus pas sur. Voilà. Bon, comme vous voyez, je me suis fait une petite pause. Hein, je me suis calée sur le bord de l'eau. Pour garder un petit peu parce que en fait garder la laine ça fait pas mal de saleté donc ce que je fais c'est que je garde dehors la plupart du temps et là je me suis dit tiens je vais me caler au bord de l'eau, ça va me faire du bien, il fait frais, il y a une légère brise fraîche donc voilà, je vais repasser juste deux fois sur cette map parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de trop. Mais voilà, et je vais vous montrer du coup, ça me fait tout seul à la toison là, donc je vais essayer de au maximum trier ce qu'il y a là-dedans aujourd'hui. Mais je sais pas si j'aurai le temps pendant ma pause en entier, donc voilà. Finalement, j'ai passé trois fois dedans. Il faut vraiment avoir un rendu propre. Et je sais pas si vous remarquez, mais même si j'ai coupé le bout, parce que c'est la toison où j'ai coupé le bout. Regardez-moi la longueur là, ça va me faire vraiment un super fil quoi. Il va falloir que je fasse attention à ce petit bout. Mais ça va me faire vraiment un beau fil. Et puis finalement, la toison est assez blanche, on voit pas trop de blanc, de jaune, pardon. Donc je suis trop contente. Je suis vraiment trop trop heureuse. Hein. Là, on est vraiment sur de l'énorme nuage. Hein. J'adore. Je vais m'amuser à la carder. Vraiment, je prends du plaisir. Là. Même si j'ai mal au bras, entre les courbatures de la danse, c'est ça. Voilà le résultat. J'ai terminé. J'ai pas mal de laine, là. Je vais aller peser tout ça. Pour voir combien j'ai, puis je vais les tresser. Mission du jour accomplie, je suis trop heureuse. J'ai gardé ma toison et j'ai pu terminer de trier cette toison marron. Donc demain, je vais m'occuper de la laver et j'espère qu'elle va sécher ce week-end. Ça, c'est à virer et ça, du coup, je garde. Ça déborde vraiment. Je tasse, mais ça ne veut pas entrer. Donc je vais le laver dans un gros seau, je crois, parce que là, il va y avoir besoin. Mais voilà, je suis contente de ces Vlogtober parce que grâce à vous, j'arrive à aller jusqu'au bout de mes missions. Merci. Bienvenue dans les coulisses de mon studio photo. Mon couloir. J'aime bien la lumière, je mets en avant les tricots. Donc voilà, j'en profite parce que j'ai fait des photos pour le Whitemore. Donc je vous le remontre une dernière fois. Peut-être pas, parce que je vais sûrement beaucoup porter.
Voilà, il est là. Il est magnifique. Je l'aime. Voilà, non, il est vraiment super beau. Je l'aime trop. J'ai toujours pas bloqué. Donc, peut-être faire ça ce week-end. Je l'aime trop. Que vous dire? À part que, vraiment, il est cool. Il est cool. Il remonte un peu à ce niveau-là. Voilà, je lève les bras. J'aurais pu le faire un poil plus court, plus long peut-être. Mais à part ça, il est trop cool. Voilà, voilà. Eh bien, je vous laisse pour aujourd'hui, je pense. J'ai plus rien à vous montrer. Enfin bon, je sais pas, je verrai. Mais normalement, ce sera la fin de cette journée. Donc, je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end. Parce que vous regardez du coup sûrement demain. Je vais peut-être faire, je sais pas ce que je vais faire demain comme Vlogtober. Je vais peut-être faire une seule vidéo pour le week-end parce que je vais pas forcément peut-être être beaucoup là. Donc voilà. Mais si je vous revois pas, du coup je vous souhaite un bon week-end et une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. Et puis à bientôt.